Hello tout le monde les amis, c'est Pentagonix, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Alors aujourd'hui je vais vous montrer les 3 nouveaux Star Power de la semaine. Je vous dis tout de suite que je sors la vidéo au plus vite. Donc voilà, je m'excuse si la vidéo n'est pas sortie avant, je l'ai sortie au plus vite. Donc aujourd'hui nous allons voir les 3 nouveaux Power Stars de la semaine, c'est parti. Ok les amis, on commence par le tout premier Star Power, c'est celui de Brock. Voilà, alors il va arriver. Alors le pouvoir Star, on savait tous, l'ancien, c'est incendiaire. On avait une petite zone de flamme à la fin de la roquette. Et cette zone, eh bien, elle mettait 300 dégâts par seconde. Et cette zone, elle restait pendant 2 petites secondes. Donc voilà, ça faisait mal. Mais le deuxième Star Power, c'est quatrième fantastique. Il va y avoir une quatrième munition. Alors franchement, ça va faire vraiment des dégâts. Je vous laisse voir avec le gameplay. Alors, c'est pas le mien. Voilà, vous devez savoir que c'est le gameplay d'Axel. D'ailleurs, je le remercie fortement. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste ici pour aller voir sa chaîne. Elle est aussi en description. Donc voilà, c'est grâce à lui que je peux vous montrer un support vidéo. Sinon, les informations, je les ai. Voilà, je les ai. Mais si je n'ai pas de support vidéo, c'est vrai que c'est dommage. Donc, voilà. Cette quatrième munition, eh bien, elle va faire quand même très très mal. Elle peut vous sauver la vie. Franchement, ouais. Regardez ici. Aïe, 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 ça fait mal. Franchement, ouais, ça fait très très mal. Eh bien, elle peut vous sauver la vie parce que, franchement, c'est très très fort. Avoir une quatrième munition, ça vous donne un gros avantage sur l'adversaire. Et je pense que beaucoup de joueurs pro vont jouer parce que ça donne un sacré avantage. Et en plus, eh bien, on pouvait esquiver facilement les zones. Donc, du coup, je pense que ce deuxième Star Power va beaucoup être joué. Sur ce, je vous laisse sur la fin du gameplay. A tout à l'heure. Ok les amis, on continue avec le nouveau Star Power de Pam qui va arriver cette semaine. Alors l'ancien c'était qu'un lame magique. Alors on avait une zone, quand elle touche les ennemis, on a une zone autour d'elle qui régène 30% de soins pour ses coéquipiers. Et bien là, ça va être très gros câlin. La tourelle de soins inflige également 300 points de dégâts aux ennemis par seconde. Donc non seulement eh bien, elle va les aider à se soigner, mais en plus, elle va mettre 300 de dégâts par seconde. Vous imaginez, c'est énorme. Franchement, ce Star Power là, il est vraiment très très fort. Après, il faut voir le gameplay, c'est pour ça que je vous le montre. Déjà, c'est bien parti là. Leur game, elle est vraiment déjà bien partie. Alors, on a hâte de voir un portail, franchement. On va voir ce que ça va faire. Comment il faut le jouer. Parce que là, franchement, ça donne vraiment du lourd. Attention, elle le place ici. Alors, vous voyez qu'elle se soigne. Et regardez. Ah ouais, quand même. Donc, en plus, elle fait du dégât. Alors, faudrait qu'elle laisse un ennemi rentrer dans la zone. Regardez là. Il rentre et aïe, 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 aïe. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Du coup, eh bien, il peut... En fait, c'est vraiment un avantage. Parce que la tourelle, non seulement elle soigne, mais en plus, eh bien, les ennemis ne pourront pas vous approcher. Donc, ça veut dire que si vous êtes à 3 et que vous restez dedans, eh ben les ennemis vont prendre tarif. Alors franchement, eh ben c'est énorme. Regardez-moi ça. Ici, non seulement ça soigne ses adversaires, et eh ben les adversaires ils peuvent pas venir parce que elle met plein de dégâts. Regardez-moi ça. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Allez, je vous laisse sur la fin du gameplay. On se retrouve tout à l'heure. Savourez, franchement, savourez parce que c'est énorme.
Allez les amis, on enchaîne avec Poco. Alors son ancien Star Power, je n'étais pas au courant, mais son attaque principale, donc une attaque comme les autres, quand elle tirait sur ses copains, eh bien elle pouvait récupérer 500 points de santé, donc c'était vraiment pas mal. Et là le deuxième c'est Tintamarre. Alors son ulti, quand il touche les ennemis, eh bien il récupère 1200 points de dégâts. Enfin il attaque 1200 points de dégâts, c'est énorme. En plus, son ulti il est vraiment très très loin. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc là, au lieu de soigner, eh bien, il va attaquer. Voilà, il va beaucoup plus attaquer. Alors, faut voir le gameplay. Mais franchement, cette semaine, les Star Power sont vraiment pas dégueux. Ils sont vraiment pas dégueux. Aïe 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 aïe. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu? Ça a fait très mal. Ouais, franchement, ça a fait très très mal. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Donc je sais pas si son Star Power continue de régénérer. De régène les autres, je sais pas. Ah, ça fait mal. Ouais, ça fait très très mal. C'est vrai que cet ulti fait très très mal. Ouais, franchement, il y a beaucoup de soins en plus dans les nouveaux ultis qui ont été faits, qui ont été mis. Il y a beaucoup de soins qui ont été rajoutés et ça c'est vraiment cool. Parce que le soin, on en a besoin. Voilà, le soin, on en a besoin. C'est très très utile les soigneurs. Donc là franchement ouais, ils ont bien géré. Ouais, donc ça soigne en même temps. Donc en même temps de soigner, eh bien, il attaque les ennemis. Donc il fait vraiment très très mal. Je vous laisse regarder la fin du gameplay. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, vous avez découvert les trois nouveaux Star Power qui vont arriver cette semaine. Je vous préviens tout de suite que mercredi soir, je fais un live. Donc, venez nombreux, mercredi soir, je vais faire un live avec les abonnés. Après, jeudi prochain, je sors une vidéo aussi, vous allez voir. On va parler de la Coupe du Monde et de toutes les nouveautés avec les nouveaux skins, etc. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça. Moi, je vous remercie beaucoup pour les 45 abonnés. Merci beaucoup. On se retrouve donc mercredi soir pour le live. Ciao tout le monde, c'était Pentagonix.